Yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant que ça commence, je voudrais vous parler d'une ou deux choses. Pour ceux qui n'ont pas encore compris mon système de comment je marche sur YouTube. Je reçois beaucoup de personnes, de nombreuses personnes qui s'abonnent et que je remercie. Sauf que en retour, je dois aller m'abonner à d'autres personnes pour qu'ils m'aident sur la chaîne. Alors, je remercie les personnes qui le feront. D'avance, sauf que je n'accepte pas. J'aurais eu encore 1 à 10 abonnés, voire 20 abonnés, j'aurais pas dit. Mais à partir de 100 abonnés, je considère que les personnes peuvent se débrouiller tout seules. Alors après, il y a débrouiller tout seul et débrouiller tout seul. Ça veut dire que par exemple, si vous connaissez quelqu'un et que vous faites du YouTube ensemble, ça me dérangerait pas. Par exemple, si j'ai un pote qui me dit « Bah tiens, on va faire du Fortnite, machin, tu passes dans ma vidéo. Si tu veux faire une vidéo avec moi, voilà. Donc moi, je tournerai, lui, il tournerait. » Voilà, après, ben, on dirait « Voilà, telle chaîne, allez vous abonner à cette chaîne-là, allez vous abonner à cette chaîne-là. » Ça perce ou ça perce pas. C'est tout à fait normal, c'est obligé que… voilà. Mais le truc, c'est que moi, avec 163 abonnés, alors voire 162, parce qu'à tous les coups, il se désabonnera celui qui m'a mis ce joli petit pavé et je tourne cette vidéo avant le The Crew, parce qu'on… Hey! Hey! Yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur… The Crew 2, aujourd'hui petite vidéo sur The Crew. Donc normalement au début de la vidéo il y a eu une petite explication pourquoi et le comment je n'acceptais pas d'aide de d'autres youtubeurs. Donc j'espère que ça vous, pour les autres personnes, vous serez compréhensif de pas me poser la question et de me dire tiens il y a ce youtubeur qui aide machin ou quoi que ce soit. Donc, tout est en début de la vidéo, donc je vous prierai de ne plus me poser la question en commentaire. Donc voilà, si après, il y a des personnes qui ont des questions à me poser ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me les poser ou à aller sur mon Discord qui est en lien de description, qui est juste en dessous. Le Discord où on accepte toutes les personnes, donc n'hésitez pas à rejoindre. Bien sûr, il faut être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne sert à rien de rejoindre. Après, je peux faire des promis pour certaines personnes. Mais ça dépend de certaines personnes. Donc aujourd'hui, petit live sur… petit The Crew 2 sur le… Sushi, Sumi, Shushimi. Petite vidéo dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Il n'y a toujours pas ma tête, donc j'utiliserai OBS pour voir si ça marche. Parce qu'apparemment, sur les lives, ça ne bug pas. J'ai testé un système pour essayer de voir si le live marchait. Et apparemment, ça ne bug pas trop en tant que live. Mais en vidéo, apparemment, ça fout la merde. Donc, à voir pour le moment. Peut-être qu'il y aura ma tête pendant les vidéos, donc on va reprendre sur OBS, sur Avermedia pour les vidéos. Donc voilà, donc comme ça vous êtes au courant. Les lives, pour le moment, ce mois-ci, je pense que je ne vais pas en faire. On va rester sur les vidéos. Donc je ferai peut-être un peu plus de vidéos ce mois-ci, comme ça vous êtes au courant. Donc normalement cette vidéo aurait dû sortir à 17h, mais elle risque de sortir tard parce que je tourne tard vu que j'étais pas là de la journée. Donc soit elle sortira le soir très tard vers 22h, même vers 23h. Ou soit elle sortira demain matin et vous aurez du Gold War le lendemain, l'après-midi, toujours le même jour, l'après-midi. Donc voilà. Donc comme ça, vous êtes au courant et comme ça, il n'y a plus de fufi. Donc voilà. Donc je tourne la vidéo, il est 18h06. Donc comme je vous ai dit, je viens de rentrer. Donc la vidéo, comme je vous ai dit, elle sortira peut-être vers 23h. Voir le lendemain, donc le vendredi matin,
ou voir peut-être que j'inverserai. J'inverserai peut-être que cette vidéo sortira le jeudi, le vendredi, et pour la vidéo de God of War sortira le vendredi après-midi, le samedi après-midi. Donc on va aller ici. Alors c'est dommage que on puisse pas faire les live sushi. Sushimi à la maison. C'est vrai qu'on a notre appartement. C'est dommage qu'ils aient pas rajouté. Alors j'ai pas, peut-être pas que, ou je l'ai pas vu, mais normalement il n'y a pas de truc comme ça pour aller faire ça. Donc j'espère que, bah j'espère que ça. Donc faudrait que j'aille le voir quand même, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je suis obligé de me téléporter, que je fasse des trucs, les machins, les bidules. Donc à voir, faudra que je regarde quand même un peu plus. Ou pour ceux et celles qui regarderont la vidéo en avance, entre-temps, ben, je vous inviterai à me le dire. Donc voilà. Donc hop. Alors voyons voir. J'ai quand même pas mal de. Bon, j'ai pas tant de viewers que ça, mais. C'est. Ça va, c'est. C'est pas mal, c'est plutôt cool. Après, je cherche pas à faire afficher. Ah merde, c'est pas là? Bah, attendez. Ah merde, c'est pas le bon. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Alors, bien sûr, je suis venu récupérer parce que normalement, je voulais vous faire la vidéo avant. Et vu que j'ai eu un souci, le logiciel n'a pas voulu faire ma... le voulait pas le tourner. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous avons radar, saloon, slalom, fuite, du speed racing en gagnant des pièces. Nous avons du hypercar et du speed racing en aucune restriction, aucune restriction, aucune restriction. Bon, bah voilà. Donc on va déjà faire, comme d'habitude, les trois premiers. Alors on va déjà faire, pas commencer par la gauche, hein. Donc c'est parti. Donc c'est à ce moment-là que la vidéo commence vraiment. Donc à 5, 5, 34, 35 même. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc je vous invite aussi à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne sur donc allez regarder en haut à droite le petit lien. Alors je vais essayer. Je vais prendre. Alors, on va prendre. On va prendre. Elle est où? Elle est là. C'est celle-là. Ouais. Ah non, celle-là. Donc en ce moment, je me remets un peu à. Un peu à The Crew. Donc. Oh! Ok. Alors oui, alors bon, les radars comme ça, quand je les aime bien les faire au derby pour voir si j'y arrive. Alors bien sûr, c'est pas non plus conseillé. Normalement, on devrait utiliser une voiture normale parce que quand vous êtes en temps normal, vous roulez normalement, vous changez pas de voiture entre-temps. Mais là, j'aime bien les changements. Ah oui, mais c'est les bateaux sur l'eau, nage, nage.
Je sais pas si j'ai atteint le dernier point, mais si je l'ai pas atteint, j'étais à pas grand-chose. Ouais. Que un peu de bateau, ça fait pas de mal, ça change un peu. C'est vrai que la voiture, c'est bien gentil, mais c'est vrai que le bateau, c'est plutôt sympa. Bon, la fuite maintenant. Bon, la fuite où ça va se dérouler? Où ça va se dérouler? Alors, c'est parti. Oula. On va changer de catégorie. Changer de catégorie. Par contre, attendez. Hop. Non, c'est pas là. Ouais, choisir. Allez hop. On va prendre celui-là. Faut couper, faut couper. Attention aux arbres! Ouais, je suis allé pas mal loin là. Tout en coupant au milieu, ça va. Mais je crois bien que je l'avais déjà fait celui-là. Mais je crois bien on peut rejoindre la route normalement. Mais bon, là j'ai voulu faire un peu le cacou. Et ça a bien marché. Donc on va faire le speed race. Ou on va faire l'hypercar pour le moment. Comme ça, vu qu'il y en a qu'un. Donc on va prendre l'hypercar. On va faire l'hypercar. En ce moment, j'essaye de terminer tout ce qui était les difficultés en défi jaune. Oui, donne-moi celle-là, s'il te plaît. Donne-moi les fer à roche. Les fer rocher. Donne-moi les fer rocher. Je croyais qu'il pleuvait. Ah ouais, je fais la course contre une Formule 1. Ah, j'aime pas ces courses-là, c'est très long. C'est très très long. Putain! Ils sont obligés de faire des tournants. En Formule 1, c'est encore pire, hein. Là, clairement, c'est une hypercar, ça va. Mais en Formule 1, faut avoir le coup de main. Quand vous l'avez pas fait au moins une fois, les courses, c'est très très chaud. Le mieux, ça serait de se mettre en vue intérieure, mais... Un peu peur de se mettre en vue intérieure quand t'es en pleine course. C'est très long, c'est très très long. Putain, mais... Je comprends pas pourquoi ils font des bords. Ils font des bords quand t'es en pleine course, ils te font des bords de 15 cm. Tout ce que tu joues, c'est au flipper contre les rambards après.
Tout à l'heure, j'ai fait une course, j'ai sauté au-dessus de la voiture, j'ai rien compris parce que j'ai pris le mur. Juste parce qu'il y a un rebord de quoi, de 15 cm, pareil. Le truc qui sert strictement à rien, mais. Oula, par contre. Alors je vois que ça frise un peu, j'espère que ça frise pas trop non plus à la vidéo. Vous me direz ça en commentaire. Ah puis je reviens sur ce que j'ai dit en début de vidéo, donc quand j'étais en facecam, pour ceux et celles qui veulent se lancer sur YouTube. Je l'ai déjà dit il y a un moment de ça, quand je m'étais lancé sur YouTube. Quand vous voulez vous lancer sur YouTube, faut le faire. Mais ne comptez pas sur d'autres personnes. Au début, faut quand même que vous ayez un minimum de courage de vous dire, bon bah voilà, je fais ci, je fais ça. Parce que si vous comptez sur d'autres personnes ou sur d'autres youtubeurs en tant que tankette, bon, il y en a certains qui peuvent aider tout ça, mais le mieux c'est quand même que vous fassiez à votre guise, que vous fassiez à votre opinion quoi, mais que ça soit pas une gêne en fait. Si vous voulez vous faire, je sais pas, il y a tellement de chaînes maintenant, il y a des jeux gaming, il y a des personnes qui font du gaming, il y en a qui font de la muscu, il y en a qui font de la cuisine, il y en a qui font des facecams, il y en a qui sont là juste pour parler de tout et n'importe quoi. Eh ben, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire en fait. Parce que si un de ces quatre, il y en a un qui arrive et qui vous dit bah non, fais ci, fais ça parce que ça, c'est mieux. Non. Après, bon, il y a certaines choses que certaines personnes, donc abonnés, donc je parle surtout envers vous. Moi, je sais qu'il y en a pas mal qui apprécient, bah, par exemple, du Gold War. Il y en a qui aiment bien du The Crew. Fortnite, en ce moment, quand j'en fais, bon, c'est un peu dans le, c'est un peu zéro. Mais voilà, quand vous faites quelque chose, faut que ça vienne du cœur. Après, faut que ça vous plaise à vous. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui dit, bah ouais, non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, tu le fais à ta façon. Et puis après, tu verras comment ça marche. Et tu t'améliores. Moi, je sais que là, ben, je sais que Fortnite arrive sur la dernière saison, donc il y a eu une vidéo pour vous. Sauf que, ben, vu que je n'ai pas eu de son, donc je l'ai pas, je l'ai supprimé. Mais voilà, Fortnite baisse grandement au niveau followers et il y a de moins en moins de monde qui joue. Pareil, à part pour les défis et puis pour faire chier. Mais c'est tout quoi. La dernière vidéo que je vous ai fait sur Fortnite, c'était pour pour les jeux qui sortaient. Donc les jeux de. Les jeux ouais les jeux des îles donc voilà il y en a en ce moment aussi mais voilà c'est à vous de choisir de ce que vous voulez faire et pas aux autres de vous dire voilà fais comme ça après vous le faites comme vous voulez mais moi c'est mon opinion bon on va faire celle-là si je vois que c'est trop long au niveau de celle-là je ferai l'autre à moi tranquillou solo mais voilà au moins vous aurez vu un peu plus. Pour ceux et celles qui voudraient voir, ben voilà, je suis désolé, mais je peux pas tout faire. Je vais tenter avec celle-là. Je suis tenté avec celle-là, ouais. La chevalerie est modifiée. C'est la même?
Alors attendez, je vais essayer de choper la vue intérieure. Bon, par contre, c'est chaud, la vue modifiée comme ça. Surtout qu'en plus de ça, ils ont mis des... Ok. Quoi? Non, c'est celui qui est le plus rapide, l'autre. Bon, elle a pas gagné, hein. J'arrive pas à la doubler. Alors, je comprends pas. Normalement, on a le même. Tu devrais avoir un moteur un peu plus puissant, normalement. Ça, c'est parce que je cherchais. Arrête les bêtises, hein. Le truc, c'est qu'elle n'est pas modifiée à fond. Donc, c'est vrai que celle-là, elle est un peu lente du chou. À côté des autres que j'ai modifiées correctement. Comme la DMC, la Deluxo, donc. Ou même l'autre. Une autre que j'ai bien modifiée qui envoie du patate, mais celle qui est le plus modifiée de toutes mes voitures au niveau de race, des racing comme ça, c'est la DMC, donc la DeLorean. Faut dire que j'ai beaucoup lé avec celle-là. Mes lives, mes premiers lives, c'est avec celle que je. Avec la DMC. Donc. Pourtant, je l'ai jamais fait cette course. Hein. Il devrait me rattraper, mais ça va. Je gère plutôt pas mal. Pour ceux et celles qui passeront sur le qui regarderont la vidéo, je voudrais savoir à peu près à combien de temps vous faites une course et niveau que vous êtes combien, et si vous voulez faire des vidéos, bah si vous voulez jouer aussi avec moi, c'est ça aussi, c'est pareil. Si vous voulez qu'on se rajoute en tant qu'amis, alors que sur le Discord. Faut déjà passer sur le Discord pour que je vous rajoute. Sinon, je vous rajoute pas comme ça. Allez. Bon, je vous ferai la dernière course, tout compte fait. Ça va assez vite.
Ça tourne. Ça tourne, ça vire. Attention, ça tourne. Ça tourne et action. Action, réaction. Ça va. Ça va. Ah si, je l'ai déjà fait cette course-là. Ah. Tu cales? Non, non, j'ai pas pris le tournant correctement. Et là, tu te barres sans lui dire au revoir à l'autre. Ah, déjà que l'autre, il est super loin. Je sais pas s'il y en a qui arrivent à faire ça correctement, mais faut déjà en avoir pas mal dans la patate au niveau de la bagnole. Bon, faut dire que j'aurais pas pris celle-là, j'aurais pris une autre, ça aurait été peut-être pas mal. Là, par exemple, je vais prendre la DMC, on va voir la différence, quoi. On va prendre la DMC. À part s'il ne me propose pas, mais normalement il me propose. Ouais. Alors attendez. Parce que normalement j'ai pris celle-là, la Camaro ZL1 Chevrolet. Et là on va prendre celle-là qui est clairement modifiée à un niveau. Il y a juste un truc qui est pas en légendaire, donc bon. Oh, c'est un circuit. Faire vomir là. Arrêtez avec vos tournants à la con. Les tours. Peut pas faire des circuits droits. Hein. Non, non, faut qu'il y ait des tournants. Un abruti. Un peu de hors-piste, ça fait pas trop de mal. Encore un peu de hors-piste. Tiens, j'ai quand même du mal à les secouer, hein, quand même. Ouais, je fais le con, là.
Là, par contre, le classement, je le vois. 2,32,5, 2,32,3. Ouais, ça va, c'est dans les raisonnables. L'autre, le record, 2, 2,07. Wow. Ok. Il y en a, je sais pas comment ils font. Clairement, il y en a, faut m'expliquer quand même. 2 minutes, il en faut. Même une voiture modifiée à fond. Même à fond. Alors après, une super sportive, je veux bien. Une super sportive encore, je veux bien. Mais. Une voiture comme celle-là, comme la DMC, ou même des autres, hein, même des autres. Hein, quand t'arrives des gens légendaires, tu te dis bon bah c'est déjà pas mal. Mais arriver à un niveau aussi élevé à 2 minutes, hein, rien que 2 minutes, ça fait quand même pas mal, je trouve. Ça fait beaucoup à abattre quand même. Moi, je dis qu'il y en a quand même certains, je pense. Alors, je sais pas si c'est des développeurs ou quoi, ou c'est vraiment des gens qui ont battu le record ou quoi. Mais comme vous le voyez, moi déjà que la DMC, donc comme vous disais, j'ai juste celui-là qui est en violet. Mais en temps normal, moi la moto, par exemple, pareil, il y a deux trois trucs en violet, mais j'ai déjà un minimum de modifications. Pareil pour celle-là. Donc la plupart du temps que j'utilise, c'est celle-là, celle-là, celle-là et allez, quelquefois la Venking, la Austin Martin, mais c'est pareil, celle-là elle est modifiée à 100%, mais c'est pareil, si... Voilà quoi, il n'y a pas de but à proprement parler, parce que même le Chevrolet, même mon Volkswagen... Mon combi Volkswagen, voilà, il monte quand même à. Il a quand même 512 chevaux, donc 512 chevaux, faut les envoyer, quoi. Bon, après, là, c'est du drift. Bon, bah voilà, après, bon, vous avez des modifications à votre guise. Après, en ce moment, je modifie beaucoup les apparences des voitures, des trucs comme ça. Voilà, c'est un plaisir de pouvoir modifier des véhicules. Mais même cela. Quand on regarde certaines courses et puis qu'on se dit, mais attends, 320, d'accord, mais après, faut envoyer quoi, parce qu'il y a quand même les tournants, faut connaître la route, tout ça. Alors, je dis pas qu'après, il y a quand même au niveau personnalité, après, si c'est vrai que si tu joues tout le temps ou quoi que ce soit, tu connais les chemins, mais il y a tellement de routes, à un moment donné, tu te paumes, c'est pas possible. Tu dois te paumer. Et ça c'est un truc que je comprends pas quoi. Il y a des personnes, t'as l'impression qu'ils ont ça qu'ils ont que ça quoi. Et pourtant là par exemple si je modifie celle-là, bon bah là j'ai quand même assez d'argent. Mais bon après j'essaye de rester dans le raisonnable mais la paratoque. En temps normal, j'essaie de mettre tout en à fond, mais de toute façon, c'est pas l'apparence qui compte. Voilà. Après, les transformations, c'est à vous de gérer les transformations. Et voilà quoi. Mais voilà, là, par exemple, voilà, et personnalisé. On croirait pas, mais voilà, elle est personnalisée. Donc c'est un peu dommage, quoi, qu'il y en ait qui. Je veux pas dire qu'ils ruinent le jeu pour battre un niveau exceptionnel ou quoi que ce soit. Et c'est dommage parce que il y en a, ils pourraient faire plus. Ils pourraient faire plus. Bon, il n'y a que les bateaux et les machins qui pourraient. Moi, je m'occupe pas trop des courses de bateaux. Par exemple,
Les proto racing, c'est pareil, j'y joue pas trop parce que je trouve que c'est ingérable à manœuvrer. Pareil pour les speed, les mini speed, quoi. Clairement, j'en ai trois, mais c'est parce que je les ai gagnés ou c'est parce que je les ai achetés mais sans le vouloir. Et puis les avions, bah à part si, à part celui-là, au niveau aérobatie qui me plaît beaucoup. Et puis sinon, Iron Rocket, au niveau des vitesses de course au niveau des avions, c'est ingérable. Quand on regarde les courses d'avions comme celui-là, c'est ingérable, c'est pas possible. Et pourtant, voilà quoi, c'est pas de la mauvaise volonté ou quoi que ce soit, mais dites-moi en commentaire si pour ceux et celles. Dites-moi la plus souvent à quoi vous jouez, si vous faites de la voiture, si vous jouez en voiture, si vous jouez en machin, voilà quoi. Après, moi par exemple, en ce moment j'essaie d'améliorer et d'essayer d'avoir les 25 à tout là, et puis après, voilà quoi, on lance quoi, mais le truc c'est que. Il y a plus de but quoi. Moi je trouve que quand on regarde les gens qui font des courses en long et en large, mais qu'il n'y a pas de but. Moi j'essaie. Mon but numéro un, c'est d'avoir toutes les voitures. Mais c'est pareil. Quand on regarde le prix d'une bagnole, il y a certaines voitures fait mal au huc. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Et de laisser un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine, les gens. C'est Draxury. Peace.